Une page se tourne pour Annabelle. Ce samedi 29 juillet 2023, la maman révélée dans la 7e saison de Mariée au premier regard a fait une grande annonce sur son compte Instagram. C'est au printemps dernier que les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance d'Annabelle. En effet, à l'occasion de la 7e saison de Mariée au premier regard, la jeune femme avait décidé de mettre son destin amoureux entre les mains de la science et, plus précisément, d'Estelle Dossin et de Gilbert Boujaoudé. D'ailleurs, les deux experts de l'émission avaient estimé que la maman célibataire était compatible à 74% avec Fabrice. Hélas, malgré un coup de foudre réciproque à Gibraltar et des débuts très prometteurs, la flamme a fini par s'éteindre, à la grande surprise des fans. C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous annonçons la fin de notre histoire. Nos chemins se séparent pour des raisons qui nous appartiennent, mais nous sommes heureux d'avoir participé à cette expérience humaine. Nous souhaitons préserver notre intimité et garder le meilleur, ont écrit les deux mariés, au lendemain de la diffusion de leur bilan final, sur M6. Annabelle, mariée au premier regard, prend un nouveau départ entre le mariage, le divorce, la notoriété, son rôle de maman, son métier et tous les autres tracas du quotidien. On peut dire que ce début d'année a été chargé en émotions pour Annabelle. À tel point d'ailleurs que l'ex-femme de Fabrice a ressenti le besoin de s'offrir un nouveau départ. Et ce samedi 29 juillet, c'est sur son compte Instagram qu'elle a annoncé avoir quitté Bram, où elle vivait, pour retrouver sa ville natale, Toulouse. La prise de recul m'a tout simplement fait revenir à l'essentiel. Et, aujourd'hui, l'essentiel c'est de vivre l'instant présent, profiter, faire des projets, aller de l'avant et vouloir ce qu'il y a de mieux pour ma fille. Et justement, quoi de mieux que d'être proche et bien entouré de sa famille? On n'oubliera pas Bram, mais vraiment pas. 2 ans de souvenirs, de rencontres amicales, de partage et de découvertes, a-t-elle écrit pour accompagner une série de photos symbolisant son grand retour dans la ville rose, à découvrir juste ici. Le bilan d'une année mouvementée, mais il n'y a pas de nouveau départ sans nostalgie. Et en partageant sa joie de retrouver sa ville de cœur, Annabelle a également fait le bilan de l'année qui vient de s'écouler. En juillet 2022, il se passait tellement de choses, de chamboulements. Jamais je n'aurais imaginé tout ça. C'est aussi et surtout une année durant laquelle ma famille et mes amis ont toujours été là pour moi, d'autant plus en acceptant de m'accompagner dans cette aventure de malade. Chaque jour, ils ont supporté mes états d'âme et ce, jusqu'au bout du monde. Donc, vivre cette expérience ensemble et aussi intensément a complètement renforcé nos liens, s'est-elle réjouie. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.